Chaque année qui passe et repasse, la saison pluvieuse fait des victimes parmi les populations les plus démunies. Chaque année, les réfugiés sinistrés sont casés et recasés dans des écoles publiques, entassés dans des classes jusqu'aux prémices de la rentrée scolaire qui consacrent leur déguerpissement, justifié par les nécessités de la continuité du service public. De l'éducation nationale. Le problème des inondations dans le Grand Sahel ne date pas de nos jours. Il s'agit évidemment d'une accumulation de négligence et d'imprévision de la part de nos États. Cette année encore, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, la saison pluvieuse a fait d'énormes dégâts sur le plan des infrastructures, les routes, les maisons et les champs, mais aussi sur le plan humain avec des milliers de populations qui ont perdu leurs biens, d'autres ont même perdu leur vie. Pourtant, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Récemment, en Espagne, dans la région de Valence, plus précisément la commune de Bayporta, les populations n'ont pas hésité à lancer des pierres et autres objets projectibles sur les autorités publiques, à savoir le roi Philippe VI et sa femme, ainsi que le Premier ministre d'Espagne, Pedro Sanchez, lors d'une visite aux populations sinistrées. Cette réaction populaire fait suite aux inondations qui ont fait près d'une trentaine de victimes. Et des dégâts matériels énormes. C'est une façon pour ce peuple de fustiger la politique du médecin après la mort et d'exhorter les autorités à plus de prévision dans leur gouvernance. Au Sahel, depuis des années, les gouvernements continuent à fermer les yeux sur le problème des inondations comme si ce phénomène allait se régler tout seul. De plus, les conséquences continuent à accroître, comme si on attendait le jour où la présidence de la République sera engloutie avant de prendre des mesures préventives et constructives sur le problème des inondations. Aujourd'hui, il est important pour les peuples de comprendre que la gestion efficace et efficiente des eaux de pluie est bien et bien possible. Au même titre que les autres problèmes liés aux menaces terroristes, les inondations constituent également un facteur d'insécurité pour les victimes. C'est pourquoi il faut assurer les populations avec des solutions, car loin d'être une source de fatalité, L'eau, c'est la vie, c'est le moyen par excellence pour accroître la souveraineté alimentaire, développer l'agriculture la afin de mettre en place des industries agroalimentaires nationales. Au regard des difficultés liées à l'aménagement territorial, aujourd'hui, il est important d'apporter des solutions aux problèmes des inondations au Sahel. L'eau est une énergie qu'il faudra nécessairement canaliser afin de tirer parti des bénéfices qu'elle peut nous apporter. Ainsi, c'est à nous de créer le chemin, d'aménager les voies et moyens par lesquels les eaux pluvieuses seront canalisées à notre profit. Sinon, l'eau va toujours continuer à détruire et nous allons continuer à reconstruire. Tous les États qui ont atteint un certain niveau de densité humaine lié à l'urbanisation disposent de mécanismes permettant le ruissellement des eaux et leur canalisation vers des centres de collecte et de traitement. Malgré ces dispositifs, ces états ne sont pas à l'abri des inondations, mais ça permet de réduire les dégâts dans une certaine mesure. Au Sahel, une ingénierie de ce type n'est pas encore développée. Pourtant, il est important de songer à la rétention des pluies lorsqu'on vit dans une zone aride en plein processus de désertification. Pour le moment, chaque saison de pluie vient avec son lot de désolation, comme si les populations et les autorités attendent toujours le moment venu pour déplorer les événements survenus suite aux inondations. De plus, ces inondations viennent souvent à nous rappeler à quel point nos routes et autoroutes construites depuis des années sont en mauvaise condition. Et souvent, on a l'impression comme si les mairies disposent tout le temps de moyens de colmatage permettant à l'État de continuer d'entretenir les mêmes problèmes liés aux inondations. La situation géographique du Sahel fait en sorte que les États ne peuvent pas avoir accès à la mer pour le moment. De plus, les saisons pluvieuses représentent un tiers de l'année à peine quatre mois sur 12. C'est comme si la nature condamne ses états à plus de maturité dans la collecte et la gestion des eaux de ruissellement. Ainsi, c'est grâce au pouvoir de l'eau que nous pouvons espérer booster la production et atteindre la souveraineté alimentaire. Et c'est par la souveraineté alimentaire que toute les grandes nations ont réussi à amorcer leur développement.